Bien le bonjour les amis, c'est Franck de la team Guital, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, on se retrouve pour une petite vidéo tuto info, j'allais dire sur Warframe, hein, sur PS4. Petite vidéo qui a pour but de vous montrer où vous pouvez vous rendre pour XP rapidement, tant vos Warframe que vos Sentinelles, vos Cubros ou vos armes. Pourquoi je vous montre ça maintenant? Parce qu'il y a eu un patch récemment qui a modifié un état de fait en ce sens. Alors, dans votre navigation, auparavant, quand vous étiez sur l'épave ici, en lançant une défense, vous pouviez très facilement seul vous caler en hauteur et enchaîner 15-20 manches, voire plus. Avec de bonnes armes. Bon, je pense à Simulor Sinoïde notamment, mais en y allant à 2 ou 3, c'était très facile d'XP. Tant donc les Warframe que les armes et les Sentinelles et les Cubros. Et récemment, il y a donc eu un patch, et aujourd'hui, vous ne pouvez monter que sur ce genre de mission, en principal l'expérience du. De votre Warframe, donc ça peut être un peu pénible. Il existe cependant une nouvelle mission sur Ceres où cet XP est conservé et vous montez très 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 vite en expérience. Voilà, il s'agit de celle-ci, l'interception Draco sur Ceres. Alors une interception, c'est quoi? Je rappelle, hein, ça ressemble à de la domination tout simplement. Hein, ce sont 4 points à prendre, à neutraliser, puis à gagner sur la map. Voilà. Donc c'est une niveau 35-37, mais elle permet cette mission d'XP tant les Warframe que les armes, que les Sentinelles, que les Cubros. Enfin, ça monte extrêmement vite En général, c'est des rondes ils appellent ça un ronde, hein, donc il faut atteindre un pourcentage de 100% en domination. Une fois qu'il est obtenu, la manche est terminée, la ronde est terminée en facilement une ronde, voire deux rondes. Ouais, les trois rondes, vous pouvez monter pratiquement tout à fond. Donc évidemment, c'est assez difficile si on a un personnage de bas niveau. Mais si tel est le cas, il suffit d'extraire ou de quitter à la première ronde et de relancer, hein, tout simplement. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ça. J'espère que ça vous plaira. Et moi, je vous dis à très bientôt, les amis.